Commençons. Merci tout le monde, merci de venir à cette conférence de 25 minutes. On va parler Java, on va parler Pico Client, on va parler CrawlVM, on va parler plein de trucs super cool. Je me présente, je suis Stéphane Philippard, je suis Dev Advocate chez OVH Cloud. Qui connaît OVH Cloud? Ok. Cloud provider français, venez me voir à la fin si vous voulez qu'on discute. Je suis aussi un vieux développeur Java, c'est pour vous mettre un peu dans le contexte, j'ai commencé en Java 1.0.1. Vous devinerez mon âge. Qui sait ce que signifie l'acronyme CLI? Ouais, on est une bonne partie à savoir que c'est Command Line Interface. En fait, on fait du hype avec de l'ancien. Ça date des années 60-70, à l'époque où on avait nos gros mainframes dans des grosses salles serveurs et où on a fallu échanger avec eux. On a pris des terminaux passifs, on avait des lignes de commande, et donc du coup, petit à petit, des CLI sont arrivés. Puis c'est revenu à la mode dans les années 2000 avec les gros frameworks, style Spring Boot, style Quarkus, etc., qui étaient complexes à prendre en main, complexes à bootstrapper. Et donc, du coup, les CLI nous ont permis d'automatiser plein d'actions dans les différents terminaux. Et puis aussi, vous le savez, tout est API maintenant. Et en fait, de nombreuses API sont exposées sur Internet. Et du coup, plutôt que de faire des curls ou des choses comme ça, on utilise des CLI souvent au travers de SDK pour accéder à ces API, notamment Docker, Kubernetes, ont leur CLI qui fonctionne comme ça. Si vous vous posez la question de comment développer une CLI, première question, quelle techno prendre? J'ai envie de dire, prenez la techno qui vous fait plaisir. C'est toujours ça le plus agréable. De préférence, un truc qui se lance dans un terminal, sinon c'est pas cool. Historiquement, on croisait beaucoup de C, de Python, de Perl. Ce sont des langages plutôt anciens et donc du coup utilisés de manière assez naturelle. Ces derniers temps, on a croisé pas mal de Rust et Go, notamment parce qu'il y a une vraie hype sur ces langages, mais il faut reconnaître qu'il y a aussi un tooling qui est très très présent pour générer des CLI. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc moi, je vous l'ai dit, je suis un vieux développeur Java. Donc pour ceux qui ont calculé la date, j'ai commencé en 99 à faire du Java. Et donc à chaque fois, ce qui m'amuse, c'est de savoir ce que je peux faire en Java alors que normalement, on utilise un autre langage. Si vous tapez CLI Java, vous tombez sur Pico CLI. C'est le framework à l'heure actuelle le plus utilisé pour faire des CLI. Donc du Java pour faire une CLI, mais comme ils sont gentils et que c'est une JVM, ils vous permettent d'avoir du Groovy, du Kotlin et du Scala. Donc si vous aimez vous faire mal en Scala, vous pouvez faire des CLI aussi en Scala. C'est une petite dédicace à mes amis scalafistes. C'est très très simple grâce aux annotations. Si vous avez quitté Java il y a 15 ans, en fait Java c'est comme tous les langages maintenant, on a beaucoup de sucre syntaxique qui facilite le développement. En vrai avec Pico CLI, c'est hyper simple. Et puis comme j'aime bien, moi j'ajoute du Quarkus. Qui connaît Quarkus? Qui utilise Quarkus en production? Ah, voilà. Ok. Donc le mantra de Quarkus, c'est Java subatomique supersonique. Moi, je résume, c'est du Java sous stéroïde, orienté cloud natif. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse. On va l'utiliser surtout pour sa facilité de développement. Et puis à la fin, on va voir si j'ai réussi mon pari, si j'ai une vraie CLI. Je vous parle de démos. Il y en a quelques-unes. Donc si je veux avoir un peu le temps, on va y aller tranquillement. Alors la première chose à faire, je vais hop, hop. Est-ce que c'est assez gros? Je parle de l'écran, pas de moi. Bien sûr. Au fond, c'est bon, ouais. Première chose, on va se créer un projet. Je le lance et je vous explique. Donc Quarkus vient avec une CLI qui est écrite en Java, basée sur Pico CLI, ça tombe bien. Donc c'est le premier test d'accès au réseau. Si je n'ai pas de réseau, je ne vous cache pas que la démo va être compliquée. Voilà. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va nous bootstrapper tout un projet avec une extension Quarkus. Vous voyez ça comme un plugin qui permet d'enrichir le moteur, le noyau pur de Quarkus. Dans mon cas, je veux créer une CLI, donc je vais demander l'extension Pico CLI. Du coup, je vais aussi un peu augmenter. Ouf. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous a créé? Alors, je vais tricher parce que j'ai pas bien... Je vais enlever un peu tout ce qui ne doit pas. Voilà. Donc, il nous a créé une arborescence de projets classiques que vous voyez ici. Donc, le plus important ici, c'est le pom.xml. Hop là. Avec ici la petite dépendance Pico CLI. Quand vous utilisez une extension Quarkus, vérifiez toujours la version de votre dépendance principale que vous souhaitez. Moi, ici, c'est du Pico CLI. Normalement, il est en 4.7.6, ce qui est le cas. Il peut y avoir une petite désynchro parce que l'extension n'est pas forcément maintenue. Ici, c'est le cas par les équipes de Pico CLI, ça peut être d'autres personnes qui le font. Donc, vérifiez toujours s'il n'y a pas une petite mise à jour à faire.
Derrière, c'est un projet Java classique. On a un application properties pour configurer notre appli. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, comme ils sont sympas, en fait, on a déjà une classe exemple. Donc ici, ça vous montre ce qu'il faut faire au minimum avec PicoCli pour faire une CLI. Donc je prends une classe et j'implémente Runable. Alors on verra qu'il y a une autre façon de faire aussi. Du coup, je dois surcharger la méthode run. Ici, je fais un système out d'une chaîne de caractères en injectant une variable. Cette variable, c'est un paramètre optionnel de ma CLI. Vous voyez, annotation paramètre. Pourquoi c'est optionnel? Parce qu'il y a une default value. Donc si je mets rien, ça va valoir PicoCli. Le param label et la description vont être utilisés par l'annotation principale ici, @command. C'est là où je décris ma CLI qui va s'appeler greetings. Et je lui dis, génère-moi l'aide en ligne par défaut, donc le mixing standard help option. Et cette aide en ligne, on verra, va se servir du param label et du description. Je vous propose de faire un premier petit test. Donc je vais utiliser encore une fois Quarkus pour faire mes tests. Donc le mode développeur de Quarkus, c'est le hot redeployment des classes Java de hotspot de l'époque, mais qui fonctionne vraiment. Donc c'est-à-dire que tout ce que je vais modifier maintenant, Quarkus se charge de reloader mon class loader pour prendre en compte ce que j'ai fait sans que j'ai besoin de tout recompiler à chaque fois. Et vous voyez qu'ici, il a lancé déjà la CLI en mode sans paramètres, puisqu'il m'affiche Hello PicoCli GoGo Commando. Là où il est sympa, c'est que si j'appuie sur la touche E, je passe en mode interaction. C'est comme si j'avais tapé greetings et que je voudrais taper quelque chose. Donc dans mon cas, je vous l'ai dit, normalement, il m'a généré une aide. Et vous voyez, ici, on retrouve l'aide, où il me dit comment ça s'appelle et comment je l'utilise, avec le name et le your name, qui était exactement param label et description. Donc vous voyez, c'est plutôt assez simple. Et puis, je vais pouvoir, du coup, lui taper des choses. Et du coup, il va me faire hello, voxidec, gogo, commando. Donc là, vous voyez, en vraiment quelques minutes, j'ai booté une CLI et je peux vraiment faire une CLI classique. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un peu une CLI un peu plus poussée d'un point de vue métier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un assistant qui va me permettre d'aller se connecter sur mon compte Public Cloud, me rapporter quelques informations. Alors la première chose, c'est que je vais rajouter 2-3 dépendances, on est en Java. Donc la première, c'est une dépendance, c'est un peu de code que j'ai écrit, du code un peu utilitaire pour se connecter aux API OVH Cloud. Il n'y a pas trop d'intérêt de vous le montrer, c'est pour ça que j'ai fait une petite dépendance à part. Et puis j'utilise une autre extension Quarkus, qui est le REST Client, qui va me permettre, vous allez voir, de très simplement simuler ce fait que j'ai une CLI qui utilise un SDK qui se connecte aux API. Donc c'est vraiment super, super intéressant pour ça. Donc comme je déploie une CLI qui est un assistant, moi je l'appelle Jarvis parce que j'aime bien, .java. Donc, c'est une classe. Alors, je vous l'ai dit, je ne vais pas implémenter Runable. Je vais implémenter Callable. Et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Parce que, du coup, derrière, je vais lui mettre Integer. On va implémenter la méthode qui manque. Alors, pourquoi c'est mieux Callable Integer? Parce qu'en fait, vous savez, une CLI, vous aimez bien savoir si elle est en erreur ou pas. Avec Runable, je ne peux pas avoir un type retour, aller void ma méthode run. Là, avec Callable Integer, je vais pouvoir retourner le code erreur de ma CLI. Donc, c'est pour ça que maintenant, dans la doc de PicoCli, il conseille d'implémenter Callable. Et puis après, je vais passer assez vite parce qu'on va retrouver exactement tout ce que je vous ai montré. Donc, ici, on a le @command, sauf que cette fois, je l'appelle Jarvis. Derrière, je vais lui rajouter un petit logger. Dans mon cas, je vais utiliser SLF4J, mais vous pouvez utiliser un peu ce qui vous plaît le plus. Et puis, hop, on va se faire un log.info. On va faire un bête hello. Pareil, j'ai un peu mangé le paramètre et on va lui remettre le paramètre. Comme tout à l'heure, c'est exactement le même. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai refait exactement comme tout à l'heure. J'ai juste utilisé Callable et un logger, mais sinon, on est vraiment tout pareil. Je vais relancer mon Quarkus Dev. On va vérifier qu'il me récupère bien tout et que tout va bien. Voilà, et vous voyez ici, Hello PicoCli, donc je suis bien repassé dans ma démo par défaut. Je vous ai dit, je voudrais simuler un appel à mon compte. Donc du coup, on va créer un mini SDK. Alors, j'avais pas tout fait mon ménage, mais c'est pas grave. Donc là, on va se créer
un petit fichier, on va l'appeler API perdu, on va plutôt l'appeler OVH Cloud API Service.java. Donc là, c'est une interface. Et je vais utiliser toute la magie du REST client pour que ça fonctionne. Hop. Vous voyez, j'ai mes anti-sèches. Hein. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, bah, ma route REST, mon API REST, son point d'entrée principal, ça va être slash V1. Je peux mettre des paramètres dans le header. Dès que j'ai un dollar à colat, c'est que je vais chercher des choses dans mon properties. Alors, je vais les rajouter tout de suite, du coup. Donc ça, c'est des infos propres à mon projet OVH Cloud, à mes credentials. C'est pour ça que ça récupère des variables d'environnement, en fait, pour éviter que ce soit en clair. Et puis, le Quarkus REST Client, vous pouvez lui mettre la racine de votre route en fonction d'une classe que vous définissez. C'est ce que j'ai fait. Et une fois que j'ai ça, je vais vouloir requêter mon API REST que je mets à dispo OVH Cloud. Et du coup, bah, vous allez voir, ça va être aussi simple que de déclarer des méthodes. Hop. Donc là, ici, par exemple, la méthode getMe va aller envoyer une requête sur la route slash me. Elle passe des paramètres. Je vous passe le détail, c'est notre API qui l'oblige. Et ça va renvoyer un OVH Cloud User. Pareil pour le get Kubernetes avec des paramètres, mon project ID, etc. Quand j'ai fait ça, en fait, j'ai vraiment fini la partie SDK et REST Client. Et je vais du coup rajouter à ma CLI cette sous-commande qui va me permettre de faire, d'aller requêter mes petits objets chez OVH Cloud. Comme je ne veux pas tout mettre partout, je crée une sous-commande, je l'appelle OVH Cloud, Cloud subcommande.java. Donc là, vous allez avoir vraiment retrouvé exactement ce que je vous ai fait tout à l'heure. Donc du coup, je vais aller un peu plus vite. On fait callable, on est toujours sur du integer. Hop, hop, hop. On va toujours faire un petit return de 0 parce qu'on est hyper confiant qu'on n'a pas d'erreur. Et là, on repart sur la partie décoration. Donc cette fois, ma sous-commande va s'appeler OVH Cloud. Je vais toujours lui générer les petits trucs d'aide parce que c'est plutôt sympa. Derrière, on se rajoute le logger. Bon, ça, c'est exactement comme tout à l'heure. Ensuite, je vais rajouter 2-3 petites choses pour que ça fonctionne à peu près bien. Je vais injecter mon REST Client. Vous avez vu, j'ai déclaré avec Quarkus tout à l'heure un REST Client OVH Cloud API Service. Là, je l'injecte pour l'utiliser. Encore une fois, on est avec dans le monde des annotations, donc c'est plutôt assez simple de le faire. Je dois déclarer 2-3 éléments pour OVH. Je vais récupérer quelques infos dans mon fichier de configuration, notamment mon Project ID, ce qui me permet de me connecter. Et puis là, je vais ajouter, alors non pas des paramètres, mais des options. Une option au sens picoclip, hein, vous le voyez sur, ici sur le code, c'est que je vais pouvoir l'activer avec un moins ou un moins moins, vous savez, comme dans toutes les CLI. Et donc en fait, moi ce que j'ai choisi de faire, c'est de ne pas mettre de valeur derrière. Donc si l'option est présente, bah, ma variable va valoir true. Si elle n'est pas présente, elle vaut fausse, mais je pourrais avoir une valeur derrière si j'avais envie. Et puis du coup, je vais pouvoir passer à la partie code métier, entre guillemets. Donc, le me, en fait, bah, je vais tout simplement tester la présence ou non de l'option. Et si c'est présent, j'appelle le getMe. Je vais avoir un code métier un tout petit peu plus complexe sur la partie cube. Alors, quand je dis complexe, c'est parce qu'on a un peu plus de choses, parce qu'en fait, ça renvoie une liste d'objets. Et vous voyez, pareil, si j'ai le cube qui est présent, du coup, je le récupère et j'affiche des choses. Là, je lui force son rechargement. OK, pas de panique, c'était tout à fait prévu. Voilà, je vais recharger, donc je vais carrément l'arrêter, parce que là, je l'ai mis en PLS, c'est pas grave, ça va se repartir assez vite. Donc là, j'ai une erreur. Alors, je vais vous faire le coup de l'erreur normale. Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez peut-être remarqué que là, j'ai déclaré en fait une commande, comme tout à l'heure, et si je vais voir Jarvis, j'ai déclaré aussi une commande. Picoclip, quand il va se lancer, enfin Quarkus, quand il va lancer, il ne sait pas lequel des deux est ma commande principale. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit Jarvis, ma commande principale. Donc, ils ont prévu le coup. J'ai juste à rajouter top commande. Et une fois que je fais top commande, en fait, je peux lui dire, tu vas utiliser des sub-commandes. Et il se trouve que j'en ai une pour toi, qui est OVH Cloud Commande.
point classe. Et là, du coup, si je lui force de nouveau le rechargement, cette fois tout va bien. Je vais faire un peu de ménage histoire que ce n'est pas trop pollué. De nouveau, si je fais moins moins help, ici, il me dit bah, t'as ta commande et t'as une sous-commande. Donc de nouveau, je vais lui dire bah, OVH Cloud moins moins help. Et ça me dit bah, t'as la commande moins K, moins M, moins moins cube, etc. Donc du coup, je vais pouvoir faire un moins M. Donc il va, là, il fait sa requête, il va me chercher mes informations. Et puis rien ne m'empêche, comme dans toutes ces lives, de mixer les deux, moins MK. Et là, il va. Clouc. Cloud moins MK. Merci. Donc là, il a été me chercher en plus mes infos sur Kubernetes. Voilà, grossièrement, c'est, je trouve, assez simple en fait pour très vite bootstrapper une CLI. Derrière, bah, là, je suis dans mon IDE. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir un petit packaging. Là encore, Quarkus va m'aider de manière assez simple. Il va me générer un jar auto-exécutable. Dans le target, je vais avoir un jar auto-exécutable dans Quarkus app, qui est ici. Là, vous avez tout ce qu'il faut, en fait, pour vraiment que vous puissiez utiliser votre CLI en ligne de commande. Et du coup, alors je peux faire un java-jar et puis du coup refaire exactement la commande que je vous ai fait à l'heure actuelle. Alors, ça me met les logs de Quarkus. Du coup, ce que je vous propose, c'est d'enlever pour que ce soit un peu plus sympa. Tac. Voilà. En attendant, vous allez me dire, lancer un java-jar, c'est pas top, et je vous comprends. Donc, on va se faire une vraie CLI. On va faire un jarvis.sh. On va lui dire, attention, grosse magie, on fait un java-jar. Derrière, ouais, c'est un métier. Hein. SRC, hop, bon, un petit chmod. Et derrière, vous avez rien vu, j'appelle Jarvis. Allez, la JVM qui se lance, et hop, j'ai une vraie CLI. Du coup, même en commençant à la bourre, merci, même en commençant à la bourre, il me reste vachement de temps, on a créé une CLI. Ah, je ne vous sens pas hyper convaincu, j'ai un SH, j'ai une JVM de 200 MB, il faut que j'installe et tout ça. Moi, je veux un exe en fait, je veux un vrai truc à lancer. Et c'est là où on va utiliser GraalVM. Vous connaissez GraalVM? Ouais, c'est Oracle, donc il met à dispo depuis quelques années un JRE et un JDK pour compiler en natif vos applications Java. C'est un vrai game changer. Ça va vous permettre vraiment d'avoir une vraie CLI comme on veut. Et je vais vous montrer encore une fois mon ami Quarkus. Alors, il y a un peu de spoiler parce que j'ai la complétion et surtout je vais éviter de faire l'erreur que je fais à chaque fois de ne pas être dans le bon répertoire. Voilà. Donc je vais builder en natif tout ce que je viens de faire. Ça prend un peu de temps, ça prend une dizaine de minutes, ce qui est normal, parce que c'est l'optimisation en fait à la compilation pour embarquer tout ce qui est nécessaire à s'exécuter. Du coup, je vais vous montrer ce que ça donne, je vais laisser travailler. Je vous l'ai fait pour vous un peu en avance. C'est ce que vous avez ici dans Jarvis BCK. Ça fait 57 MB. Vous allez me dire, c'est assez gros, mais c'est plus petit que 300 MB avec une JVM. Et pour le coup, si je veux l'utiliser, je peux vraiment l'utiliser comme tout à l'heure. Et vous voyez, c'est beaucoup plus réactif, sachant qu'en plus, là, j'ai du CPU qui est mangé parce que je suis en train de builder mon image, enfin mon binaire, pardon. Et en fait, là, cet exe-là, je vous le donne. Si jamais vous avez un macOS M1 et plus, attention, GraalVM, il prend l'OS sur lequel vous générez votre exe. C'est la grosse différence avec les tooling Rust et Go, par exemple. Donc pensez-y, il va falloir faire des petites sucreries dans votre CI/CD. Mais j'ai une vraie CLI que je peux distribuer vraiment de manière autonome. Il me reste un peu de temps. Et du coup, on est en 2024. Si je ne vous parle pas d'IA, vous allez sortir frustré et dire « Ouais, j'ai été voir un tool qui n'avait pas d'IA. » Allez, comme vous le demandez, je vous le propose, on va rajouter un petit IA. En plus, ça s'appelle Jarvis, donc ça serait quand même un peu dommage de ne pas faire un peu d'IA. Donc, comme il reste un peu de temps, on va se rajouter de nouveau une petite fonctionnalité dans notre CLI. Hop, ici, on va utiliser un truc qui s'appelle LangChain4j. Si vous ne connaissez pas LangChain et la Galaxy, ce sont des libs écrits à l'origine en Python, en JS, qui permettent de requêter des LLM sur étagère en format API. Et LangChain4j, c'est le portage en Java. Ce n'est pas les mêmes équipes, attention, mais c'est un portage. Et il se trouve que côté OVH Cloud, on a un nouveau produit AI Endpoint, qui est justement des API sur étagère pour consommer du LLM. Du coup, ça me permet de jouer avec.
On va se faire un AI endpoint.java. Oula. Java. Donc, c'est une interface. Donc là, je ne vais pas utiliser le REST client, je vais utiliser ce que fournit Langchain4j. Alors, la première chose à faire, c'est de faire un application scope. C'est bien marqué dans la doc de Langchain4j. Si vous le faites en mode CLI, il faut que votre bin soit en application scope, sinon vous croisez les effluves et c'est mal de croiser les effluves. Derrière, on fait un bet register AI service. Ça, c'est propre à Langchain4j. On déclare un composant, en fait, pour le faire. Et puis, je vais pouvoir commencer. C'est pas du tout ça. Hop, on redémarre. C'est là. Je vais pouvoir faire ma partie. Hop, hop. Ah, ben alors, Stéphane. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Le système message, c'est le contexte. Si ça vous parle un petit peu, en gros, je vais dire à mon LLM un peu ce qu'il est. Le user message, c'est le prompt que je peux décorer. Là, je l'ai décoré avec encore un peu plus de contexte. Et une fois que j'ai ça, je vais pouvoir jouer avec. Alors, je vais juste lui rajouter, pour que ça fonctionne, ici, des propriétés. Celles qui sont assez intéressantes, c'est surtout ici, le Mistral 822B. Donc c'est le modèle qu'on utilise, qui est un modèle français, qui est plutôt pas mal. Ça, on le met à false, 3 minutes large. Derrière, je vais pouvoir refaire tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire, alors vous voyez, il a fini de builder, même si je suis à la bourre, je vous le montre quand même. En fait, tout à l'heure, mon binaire, il est là, on retrouve le même binaire de 57 mecs que j'ai buildé avec GraalVM. Donc du coup, je vais pouvoir me remettre en Quarkus dev. Il va redéployer, alors, sauf que vous allez me dire, il manque un truc, et vous avez raison, il faut peut-être que je remplace ici, si je veux que mon... je vais juste lui enlever ça, et je vais rajouter ce qu'il faut. Donc, j'injecte ici le service que j'ai déclaré tout à l'heure. J'ai dû faire une typo. Ben alors... Ah oui, d'accord, ok. Voilà, merci. Et je vais remplacer ça par un super code. Tac, 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 tac. Et on va lui injecter un paramètre. Donc la seule différence est que sa valeur par défaut, je l'ai un peu changée pour répondre à la question existentielle. Je le lance. Donc là, il va se lancer, il va se mettre avec la question par défaut, donc il va commencer à répondre. Alors, ça ne va pas être très bien mis en forme, hein, parce que j'ai mes logs dans Quarkus. Sauf que... OK. OK. Comme je n'ai pas eu le temps de bien m'initialiser, on va regarder si c'est juste ça. Sinon, j'ai la version compilée. C'est en alpha chez nous, hein, donc ça marche parfois moyennement. Ok, bon, c'est pas grave. Retenez que je l'ai compilé après en natif. Et que, du coup, je vous ai fait une version ici, Jarvis-AI. Et je vais pouvoir, hop, hop, ici, l'appeler avec une question. Et, ah bah oui, forcément. Bon. C'est mon API qui... imaginons que je me connecte et que ça me réponde. C'est qu'a priori, mon token a sauté, je suis désolé. Mais voilà, l'idée, c'était de vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ça reste aussi simple que déclarer un service et de le consommer. Je reviens sur les 30 dernières secondes sur la partie slide, juste pour vous dire que pour PicoCli, vous pouvez jouer encore plus avec. Vous avez plein de types de gestion de types d'encapsulation. Vous pouvez créer avec vos converteurs. Vous pouvez même générer les pages MAN des systèmes Linux. Donc ça, c'est super intéressant. Faites attention aussi vraiment aux exés, parce que du coup, vous allez devoir générer un exé par plateforme. Pensez-y dans vos CI pour faire vraiment un truc sympa. Et Endpoint, j'ai plus le temps de vous en faire la pub. Venez me voir à la fin, mais on peut faire plein de trucs cool. Je vous l'ai dit, je travaille pour OVH Cloud, on fait plein d'autres choses, on fait de la DB, on fait du Kubernetes. Là encore, je suis là 2 jours, donc je suis à votre dispo pour en parler. Merci beaucoup, je suis désolé, je finis un tout petit peu en retard. Si vous voulez le code source, n'hésitez pas à prendre le QR code ou les QR codes des slides et vous avez après tous les QR codes.
faites-vous plaisir. Merci beaucoup.